On y va. C'est parti. Continuer. Chapitre 2. J'éteins la lumière. Soirée ciné, ce soir. Cette nuit. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Deux petites secondes, j'augmente un tout petit peu le son sur OBS. Voilà. Les gobelins malins faisaient tout ensemble, jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. C'est beau, c'est mouvant. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Pas mal. C'est un résumé assez original, en soi. Oh, non. Demain, on joue à boussole et étoile du nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Vos gueules, les gosses. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app. Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Car j'ai eu le diabète. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu. Et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et il n'y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Tout à l'heure, j'ai failli être spoilé sur le jeu. J'ai pu éteindre mon onglet à temps. Je n'ai rien vu. Polly ? Vraiment, ça a failli. C'était à tout droit. Ah, donc là, on a sa POV à elle, entre guillemets. Oh, quel gâchis. Polly ? Alison, au secours ! Moi. Thank you.
Ça va aller. Chapitre 2, secret de famille, c'est ce qu'on appelle un bon début. Ouais, on dirait une pub. Et là, il va le rattraper. Ok, pas du tout. Mort, fin. Ça va ? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois ? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non. Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. Oh, on peut pas plutôt prendre un café ? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. Deux pots. Au boulot. Non, mais non. Tête de gobelin, on garde. Le oh, on contrôle encore Alissane. Et la poubelle. Ben, poubelle. Au fait,
J'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin, mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. T'es super efficace. Merci. Ok, la poubelle, on doit l'acheter. Ingrédients. On s'en branle un peu à faire tous les jours, s'il te plaît, mamie. Cette commode, on en fait quoi? Tu veux que tes serviettes pourrissent? Garde-la. On pourrait peut-être la faire nettoyer. C'est un beau meuble. À toi de voir. Garder, jeter. Il y en a plein d'autres, tes commodes. Poubelle. Merci d'avoir fait le tri dans tout ça. C'était bien chiant. Sentir. Oh, Berk, 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 tu rabines Sarah. Ah, oh, la vache, j'ai en fait Je me rasais des barbes en crème à épiler avec ça. Je m'en rappelle. Ok, bien joué. C'est marrant parce que sur ce genre de jeu, il n'y a pas beaucoup de vannes à faire, quoi. Bonjour, vieille machine cassée dont le futur propriétaire s'occupera. Mais pourquoi mettre... Je sais pas, je comprends pas pourquoi mettre un post-it sur une porte. Il y a vraiment moyen de mettre de la musique, j'ai vu une enceinte. Ah, d'accord. Il n'y a le câble que d'une enceinte. Elle est où la deuxième? Ça va me trigger. Il est joli, ce vase. Je me demande si mon cheval est toujours dedans. Si tu veux mettre ta main pour vérifier, n'hésite pas. Oh. Dégueu, cette tâche. Ah, c'est quoi, tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'il pourrait finir par être ramassé. Très malin, Ronan. Tu allais pas mieux. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet? Non, on peut pas en parler. Hmm. En tout cas, j'ai pas fait de tâche, moi. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Le gobelin, les gobelins étaient ici. Un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. On se casse. Putain, on collecte pas mal en vrai. Je trouve, sans le vouloir, on va faire un 100%. Ce qui m'étonnerait franchement quand même. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Oh, ce sont des bons souvenirs, c'est rien quand même. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais. T'échoues sur celle-là. C'est pas moi. Enfin, si, mais... Mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. On est au vu ? Bon. Alors, ta décision, Ronan ? Je vais en garder quelques-unes, pour me rappeler du chemin parcouru. Sage décision, Ron. Ronan. Tyler. Mais leur père... Oh, je l'adore, celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez. Souvenir. Un souvenir, peut-être.
chaton, souris, comme Allison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai, ça? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à le nettoyer sur le porche. Edith a obligé à partager. Oh, un autre souvenir. Doucement, prends ton temps. Il va pas te sauter au visage, tu sais. Et moi alors? Je veux aussi nettoyer le poisson. C'est même pas ton poisson. T'as rien attrapé du tout. Mais c'est parce que vous arrêtiez pas de parler et tous les poissons ont eu peur. Fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. Allison, quand on aura fini cette moitié, tu pourras prendre la relève. On fait comme ça? Ouais. T'as raison. J'étais un petit morveux. Donc y a plus rien ici. Hein. Oh putain, si, y a plein de trucs. Cette table. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Garder, jeter, vendre. Bah. Non, ce truc a croupi dans une vieille baraque humide pendant 10 ans. Personne voudra manger dessus. Je n'ai pas sélectionné. Et en plus, j'ai maintenu sur garder, je crois bien. C'est trop chelou. Ah, mais il y avait un timer. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Ataplan. Il était en piteux état quand on l'a trouvé. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Souvenir. Ah bah sûrement ici le souvenir, voilà. Des lasagnes! Des lasagnes! Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan, alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. C'est grâce à elle si on mangeait. Elle essayait de s'occuper de tout le monde. Comme elle fait maintenant, d'ailleurs. Allison. Ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table. T'as faim? On a plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Pas de cornichon, du ketchup. Oh, pourquoi tu me rappelles ça? Comment tu faisais pour manger ça? Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. La table basse, on doit la nettoyer apparemment. Bah, il nous a gueulé dessus parce qu'on nettoyait pas la table basse. Pas celle-là. On s'en est déjà fait. Bon, on l'a déjà fait. C'est ce que je disais. Bah, je serais tenté d'aller à l'étage maintenant. Il n'y a plus rien à voir en bas. Oh, ça alors. Du bordel. Belloni, devine qui j'ai trouvé. Belloni. Ali Belli Belloni. Mais oui, j'adore. On devrait rassembler tous nos jouets et les donner à une asso. De quoi? J'ai dit, on devrait donner nos jouets à une asso. Ah. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Ah, pardon, c'est pas toi. Ah, très bien. Il y a un avion en papier coincé dans le lustre. C'est peut-être un message secret de nos nous passés. Trouve un truc pour le faire tomber. Je pourrais utiliser cette balle. Alors... voyons si j'y arrive encore. $5 que tu rates.
Tu nous dois 5 dollars. Oh la vache. Waouh. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Allison est une grosse nulle. Donc tu as gardé les insultes de tes 11 ans. On change pas une recette qui marche. Ok. Cinq petits singes sautant sur le lit. Hé, hey, Tyler ! Est-ce que ça va faire bizarre à chaque fois ? Adieu, cher petit lit de notre enfance. Propre en plus, ce lit, franchement. Merci, Alice. Cher Alison, merci beaucoup pour l'invitation. Tout va bien ici aussi. Mais aucun castor en vue. Je serai là à 16h15 parce que je dois nourrir les oiseaux. Sinon, maman va péter un câble bientôt. Monsieur, mon cher monsieur Oli. Comment allez-vous? Je suis dans le hangar à bateau et tout va pour le mieux. Je vous envoie cette lettre afin de vous éviter. Dans le temps, pendant que je préparais le thé ainsi que des petits biscuits, vous pourrez faire la connaissance de mon tendre ami Belloni, que vous allez adorer, j'en suis certaine. Soyez là cet après-midi à 16h. Bien à vous, Alison. Félicitations, la carte que vous avez trouvée, qui est à bon port, sera vous guider, suivre les sentiers des pierres scintillantes et éviter les menaces qui hantent. Donc en fait, il n'y a rien dans la chambre. Donc on a fini. Sinon, tu comptes redescendre ici pour m'aider ou... Ah d'accord, il n'y avait rien en haut. Eh, hey, t'as fini de faire le tri là-haut? Non, il y a mille fois trop de trucs à passer en revue. J'y comprends rien. Ils disent à la fois de retourner en haut et en bas. Partout où on regarde, c'est le bordel. Partout. Vraiment partout. Un vrai écureuil, cette Marianne. On n'a pas vraiment prévu de garder quoi que ce soit, pas vrai? Mais c'est fini, là. Ça, c'est fait. Ah, la table. Table moche et chaise bancale. Oh, on jette, hein. On a mangé trop de bouffe périmée à cette table. Ah, oh, c'est... La vache, ça pue. What the hell? Ça, c'est déjà fait. Ben, on a fini. Ah. Ah, je me disais bien, j'avais vu un souvenir. Oh, ça pue ici. Ça sent bon, la vieille poubelle. Mmh, oui, la vieille poubelle. Ou bien, c'est à cause de Sam pue du cul. Oh, Sam pue du cul. Bon, ça suffit. Sam vient de chasser une moufette de notre grange, alors... Soyez sympa. Une moufette? Il lui a pas fait de mal, au moins. Elle va bien? T'inquiète pas. Elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Sam Kansky. Déjà un sauveur de moufette. Au ch'tron, ce Sam. Tu m'avais impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages, moi aussi. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alison, ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups, j'ai zappé. Mais dégage ! Il m'énerve. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse ? Oui. Oui. Ça te gêne pas? Pas de soucis. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, t'auras tout ce qu'il faut. C'est bien de... Ah merde, on aurait peut-être dû lui demander son avis. Je la garde. Bon, ça a pas l'air de le déranger, alors. Tant mieux. Je l'aime bien, ce fauteuil.
Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais le ranger le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque? Si on a un salon déjà... Mais si, t'inquiète. Bye bye, fauteuil confortable. Et enfin... Désolé de le dire, mais... Le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage au genou après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Parfait. Oh, c'est quoi ce bruit? D'où vient cet affalement? Hé, hey, Allison. Tu rallumes le feu? Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose? Ah là là. Ah, thé ou café? Un petit café. Tu préfères du café soluble ou du café soluble? Non, désolé. Je suis plutôt amateur de thé. T'as compris? Thé. Comme dans... Mm-hmm. Ouais. Tu voulais la faire depuis quand, cette blague? Depuis un certain temps, j'avoue. Ah, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu? Le roi de glace nous met en garde. Tempête de neige? Oula. Pour te punir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible! Le vent m'en est témoin! Ouch! Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter? Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On devrait aller voir. Ah d'accord, c'est lui qui est où? Je cherchais justement. Hé hey, Allison, viens voir nos premières ébauches d'Allison. Ben tiens, comme si j'y avais pas contribué. Arrête, je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que... Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben... si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et... elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres, c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. La Pélican. Elle était vraiment généreuse. Ah bah, ouais. Généreuse. Il y avait toujours une. Toi, tu vas là. L'ours, il aime bien protéger. Voilà. Celui-là.
Pauvre Orignal. On l'a pas raté, celui-là. La justice. C'est un peu ironique, non? Parce que c'était un bon samaritain? Dommage que... Donc c'est l'inverse. Donc attends, l'ours c'est quoi? C'est vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi? Mais non. Je veux dire, il était toujours dans les parages. Toujours. Plus il représente la justice. Donc si c'est la justice, ça veut dire que c'est policier. On montre. Ok, je crois que c'est bon. T'es sûr? Grave. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Ah, c'est le monstre qu'on a vu. Dépêche-toi! Ou le chasseur fou va nous attraper! Faut qu'on se cache! Par ici! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Va-t'en! Ouais! Retourne dans la forêt! Allez, il va se tourner vers nous. J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Allison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Bonjour. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour, Sam. Salut, les gobelins. J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors... Je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Oh, j'ai aussi un truc pour toi, Tyler. Un homme doit avoir un bon couteau. Alors voilà. Merci, Sam. Ah, super, ouais. J'étais pas de couteau personnel, mais c'est pas grave. Ah, ouais, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais. La boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. La boîte à fusibles. Ah, j'ai faim. Faut croire que même un vieil ours peut apprendre de nouveaux tours. Eh ouais. Allez. Il faut qu'on aille rétablir le courant. Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études, en fait, dans l'environnement. Oh, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange?
Tu as beaucoup aidé Marianne, c'est quoi le problème avec la boîte de fusibles? Tu l'aidais bien, notre mère, hein? Bah, je faisais quelques petits travaux, ouais. Ça me faisait plaisir. Ta mère, elle... Elle était bonne. Je pouvais pas la laisser dans la galère, tu comprends? Bref, faut que je retrouve cette clé. Je pouvais pas laisser mes enfants, enfin, ses enfants... Tu as toujours nos quoi? Clés? Attends, Sam, t'as encore des clés à nous? Bah ouais, celle de la grange, elle est particulière. Elle a une extrémité spéciale qu'on peut... Fascinant. Bon, donne-la-moi maintenant. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci, on gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein. Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Ah, vas-y, je me mets ici, comme ça, on va se la prendre en pleine gueule. Puis tu donnes une secousse. Oh, dommage. Fais chier. Et merde. Il s'est fait mal? Ah, il a pété la poignée. Au moins, la porte est ouverte. Ouais, bon. Ça se répare facilement. Bon, voyons les fusibles. Oh non, non, non. Toi, et toi aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je m'occupe des fusibles. Mais c'est pas ma faute. C'était pas une question. Allez. Ok. Mettons les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. Marianne, j'ai rétabli le plan du truc, je dois filer. Mais si jamais tu veux vérifier, attention à ne pas surcharger les circuits. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour un garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Ça m'empêche, je suis fier de moi. Pour une fois, j'ai respecté le code couleur. Chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur. Voir quoi? Faut changer toute la boîte. Non, suffit de poncer cette partie. On pourrait repasser sur l'ensemble, mais bon. 5 et 6. Ça ferait beaucoup de boulot pour une vieille porte. Passe la poignée. Ouais, tiens. Merci. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, c'est mon genou qui débloque. Je l'ai bousillé au foot. Wow. 15. Foot américain? À la fac? Au lycée. J'étais le meilleur arrière de la région. Jusqu'à ce que je me blesse. Merde, c'est dur. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Donc 30. Celui-là, peut-être. Plus. La poignée a l'air de fonctionner. Ça doit être 30. Le qui déconne. Tu m'étonnes. Plus. Complètement rouillé. Donc ça fait 60. Un petit coup de sel et de citron et ça sera bon. Sel et citron vert. C'est un loquet. Donc 60, 80. J'irais pas non une margarita pour être honnête. Une 80. Margarita? Sérieux? Quoi? Le vieux Sam aime les boissons chic. Ça fera pas assez. 95. Donc faut que j'en mette un 30. Attends. 60, 80. Attends. Tiens-moi ça, j'ai jeté un coup d'œil à la tige. Faudrait pas mieux nettoyer ça avant de tout remonter. Je veux seulement vérifier. 40, au fait, 50, 60, pour 70. Contre les ours. Pourquoi? T'es toujours là avec ton fusil. Oh, pas toujours. Et un ours, ça se repousse pas avec des remarques ironiques. On n'achètera pas d'armes, Sam. Bon, c'est pas ça. Tu fais pas un coup de main? Écoute, je vais à mon rythme. Faut que j'apprenne, ok? Ok. Allez, femme. Pas de ça ici, ça. T'as lu la note à côté de la boîte? L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Bon. On recommence. Imaginons, je fais 20 plus 20 plus 20 plus 30. Il y a de la moisissure partout.
va pas fourrer ton nez dedans. C'est pas un bouquet de roses. C'est normal, la moisissure sur ces portes. Elles sont orientées au nord, donc pas de soleil. Il a bien merdé, celui qui a conçu cette baraque, hein. Fais gaffe. Ça se nettoie avec de la térébenthine, non? Et du borax? Et faire en sorte que ça sèche. J'aère au maximum la grange, d'habitude. Et je mets un coup d'huile au printemps. De l'huile de lin? Sûrement pas. Des moisissures, donc, ça. Donc, faut de l'huile de teck. Il y a un problème. Ça va faire 120 ampères. Il en manque. L'ampère total de la maison est de 120 ampères. Il faut le replacer dans la partie en cuivre. Sûrement à cause de ça que ça bloquait. Possible, oui. T'es bricoleur, en fait, toi. C'est que moi aussi, je réparais plein de trucs dans cette baraque, tu sais. Ouais. Il faudrait si je fermer pour l'entretenir. Non, attends. Bon, j'utilise une calculatrice. Parce que j'en ai plus. Attends. Si je fais 15, plus 15, plus 30, plus... Non. 15, plus 15, plus 30, plus 20. J'ai du mal à comprendre, là. Ça veut pas bouger. Y a pas de lubrifiant dans la grange? Non. Faut aller en acheter chez les Vicky. Enfin bon. Y a du jeu au niveau du pen. 30. Faut remplacer la gâche. Plus. On peut pas 20, réparer la porte. Plus 15. Non. Pas aujourd'hui. Dire que ça devait être rapide. Je suis une merde. Voilà. Je l'ai dit. Pourquoi trigger alors? Bah oui. En plus, c'est ce que j'ai voulu faire au début. Il faut un ampérage plus élevé. Va pas mettre un faible ampérage sur une prise à ampérage élevé. Gare à l'incendie, sinon. C'est comme des maths, Allison. Oui. Bah ici, je suis tenté de mettre un 20 ampères. Va pas mettre un faible ampérage sur une prise à ampérage élevé. Gare à l'incendie, sinon. C'est comme des maths, Allison. Bah on met un 30, alors. Allez, t'énerve pas, Ali. Réessaye. Ah, je crois que j'ai compris. Tu dois utiliser des fusées de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Tu vas essayer de faire de moi. Pour une fois, j'ai rajouté quelques couleurs. Chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur. Ça a l'air bon. Moi, je pensais que le garage et la maison étaient séparés. Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros, alors. Ah putain, le fusil qu'elle a utilisé était posé là-dessus. Salut. Il s'est passé quoi, là? Le fusil... Je me demande pourquoi là. Sam est si contrarié. Oh, j'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky.
Quelque chose le tracasse. Il y a sûrement quelque chose qui l'a bouleversé. Aucun d'entre nous est vraiment rassuré quand on voit ce porte-fusil. D'ailleurs, fais-moi penser à l'enlever. Non, mais c'était parce que le fusil avec lequel elle a menacé Taylor... Prédarep. C'est quoi là-dessus. La piste de l'eau. Oh, quoi? Surtout, va pas en renverser sur toi. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ouais. La fois où j'en ai utilisé pour me débarrasser de rats à Fireweed, j'en ai renversé sur ma seule paire de godasses. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? La désosser et vendre les pièces. Une perte de temps. Fais-toi plaise, s'il a envie. Fais-toi plaise. Moi, je vois qu'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui peut rapporter. Salut, ma jolie. Attends, tu dragues une araignée, là? J'espère que c'est une petite. Écoute pas cette méchante dame. T'es une beauté à huit pattes. Je sais pas où elle est. Ça me trigger. Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. Hey, regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Elle était super douée. Rouleau de PQ vide, corde, carton. Je me demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Une voiture, peut-être? Ah, ou un char d'assaut. Non, je crois qu'on a fait, on en a fait le tour. Et... Non. Putain, le jeu est beau. Hein. Le jeu est beau. Allison, tu sais qui c'est? T'as trouvé quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais... Celle-là, jamais. Wow, t'as vu Brown? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux? Fais gaffe, le verre est... Aïe! Cassé. Est-ce que ça va? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder! On n'avait même pas le droit d'être là! Un souvenir parmi tant d'autres. Ça va s'infecter sinon. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Où est-ce que tu vas? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Oula. Comment t'as pu me faire ça? Chut. Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi ils sont en train de parler? Ouh là là là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, mais... Je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Ça lui fendait le cœur? Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Là, près de la maison. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne... Fous le camp! Dehors! Quoi? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah bah du coup... Écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Pourquoi t'es venu ici? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis.
Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Bon, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement? Il y a sûrement ses raisons, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si il faisait le flic. Moi je peux. Mais qui sait? La mémoire est parfois capricieuse, hein? Saloperie d'hypocrite. Bah là, je serais plus pour Allison parce que elle a raison quoi, il voyait pas. Dehors. Dehors. Je sais que tu faisais ton job, mais tu peux pas rester là. Tu vas avoir des ennuis. Je t'en prie, sors de chez moi. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. On dirait que Brown n'était vraiment pas à l'aise avec la nouvelle qu'il devait lui transmettre. N'empêche que c'était le jour où elle nous a attaqués. Et il a menti. On fait quoi? On va le voir et on lui demande des explications. Bien. Tout de suite? Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures? Rien à foutre. En fait, je sais pas si on s'est trompé. On verra. Merde. Je reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai. Je suis pas son fan numéro 1. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouis comme pas ça, net. C'est pas cool. Oh, c'est Dina. Il faut que je réponde. Oui. Le téléphone au volant. Je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, c'est... J'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe? Salut ma grande! J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial! Quand? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient y jeter un œil après-demain. Oh, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Payer en cash. C'est pas le bon moment. Une offre cash, Allison. La maison est pas visitable en l'état. Pas la peine de lui faire perdre du temps. Bon, très bien. Tu me diras quand tu seras prête. Voilà. Le sculpteur a fait un super boulot. Dorian Key. Ça me dit vaguement un truc. T'as trouvé un super endroit, dis donc. On est déjà venu ici, non? J'ai l'impression d'être c'est déjà beau. Venu ici. Donc, Tina? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi? Elle avait un acheteur potentiel pour la maison, mais il pouvait visiter qu'après-demain. Et tu lui as dit non? Oui. Il nous faut plus de temps que ça, pour tout nettoyer et puis... Tu sais. Merci. Mais si on n'a pas d'autre appel? Alors on passera notre vie dans cette putain de maison et on perdra la boule.
Excellent plan. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon? On aurait dit, pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais, mais t'es pas obligé d'enfoncer le clou. J'ai compris. Tu seras toujours de son côté, pas du mien. Allez, arrête, c'est pas juste. Alors pourquoi tu continues à le faire? Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir. Je suis pas venu ici pour foutre en l'air ta vie, Allison. Je veux juste tes réponses. Je sais. C'est pour ça qu'on fait tout ça, pas vrai? Je suis pas fou. Oula, souvenir. J'ai au bout de toute la journée. J'aime bien cette vue. Notre petite ville est drôlement photogénique vue d'ici, tu trouves pas? T'es bien plus attaché à cet endroit que tu veux bien le dire. Alors, tu veux vraiment vivre dans un endroit isolé comme ici? Tout seul dans une grotte, à parler aux arbres? Ouais, c'est vraiment si dur à imaginer. Ah oui? Et à ton avis, qui est-ce qui va venir te rendre visite, au milieu de nulle part? Eh ben, je comptais sur toi. Complètement con, ce que je viens de dire. T'as senti ça, Ty? Ouais. Let's go souvenir. Maintenant, c'est moi l'étoile, et c'est toi la boussole. D'accord. Et tu triches pas, hein? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ok, ok, je le referai pas. T'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool, ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. Personne d'autre pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux? T'as jamais voulu avoir d'autres amis? Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Donc, t'es pas trop déçu que j'ai refusé une chance d'être milliardaire? Non. Ça m'aurait ramolli d'être riche. Et j'ai passé trop de temps à peaufiner. Je crois que là, j'ai fait quelques choix de merde. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Sinon, je préfère te prévenir. Je suis pas sûre qu'on aura des réponses de la part d'Eddie. On lui laisse pas le choix. On n'est plus des gamins de 10 ans. Il essaie tout le temps de me protéger. Les risques du métier. Il était toujours très inquiet pour moi, comme quand j'ai décroché à l'école. C'est pour ça qu'il organisait des fêtes d'anniversaire où tout le monde était invité. Et tout le monde devait faire acte de présence parce que t'étais la fille du chef. Exact. Mais après, oh putain, j'hallucine. Imagine quoi, les gens, que ça va disparaître? Eh oui, la spécialité, couper les dialogues. Exactement. C'est une spécialité comme une autre. Non, en vrai, c'est un peu relou dans ce moment-là. Bah, qu'est-ce que tu fais? Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Un arbre. Ah, je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venu ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour.
Qu'est-ce que tu fais ? Ce que je voulais déjà faire à l'époque, mais j'avais jamais osé. Il va modifier les lettres. Tu préchottes. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Succès déverrouillé. Arboglyphe. Oui, il n'y a pas de succès Steam. C'est pas forcément utile. C'est quoi le plan ? On entre et on demande calmement à Eddie pourquoi il était présent ce jour-là. Allez. On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok ? Il va falloir arrêter à la fois... Il va falloir tempo. Oui, ok. Il va falloir temporiser, là. Je comprends, Monsieur Barreau. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Ok, on recontrôle Tyler. Bonne journée, Monsieur Barreau. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincée à l'accueil ? Il y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir Oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler ? Denise. Denise, Tyler. Je dis pas bonjour. Alison, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Oh, bonjour Alison. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. Eh, réponds. Il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son assiette. Bonne chance. C'est mauvais ça. Pas la peine de chuchoter. T'es dans ma tête, tu sais. Ah oui. Apparemment, Eddie est pas de bonne humeur. Donc ce qu'on s'est dit dehors est encore plus vrai. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, le Quadra. Ça va vous deux ? Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours. Quelques jours ? Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a deux autres qui sortent de nulle part. Ah, ouais. Crois-moi, je compatis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, oh là ! J'ai cru qu'on devrait y aller au tractopelle. Comment va Linda ? J'ai l'impression que ça fait des mois que je l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un boulot de bibliothécaire au lycée. Ça paie pas des masses, mais elle voit les enfants tous les jours, alors. J'imagine que Brandon est ravi. Oh, ça oui. Ravi comme un ado qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas. Tu te déranges pas. Ok. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident ? Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance ? Bien sûr. Isabella Anderson, née le 16 juillet 2009. Anderson. Pas Torres, donc. C'est le nom de son père. Mon ex-mari. Est-ce qu'elle vit avec vous la plupart du temps ? Non, c'est son père qui a la garde. On attend, on y va. De mes horaires. Elle est avec moi, Logan. Au fait, j'ai eu ton message. Je suis désolée d'avoir oublié ton anniversaire. Tyler et moi, on était tellement dans notre truc que j'ai complètement zappé. Je vais me rattraper, c'est promis. Hé, hey, mais il parle ! Comment ça se passe à Delos pour l'instant ? Heureux de revoir Alison. J'ai déjà hâte de partir. Heureux de revoir Alison. Je suis content de revoir Alison. Elle arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire, Alison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Firewood. Merci. Je me suis battue pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le Mont Robert... Waouh. Ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, des groupes de parole quand je peux. C'est quoi la CEJ, ouais ? La CEJ ? Tu sais, la Coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh ! C'est génial. Ah bon ? Vraiment ?
Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Fireweed ou à la CEJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolée pour le speech. T'as besoin de quelque chose, Alison ? Ouais. Tyler, tu peux venir ? D'accord. Alors, d'après le rapport, vous nous avez appelés hier à 6h13. Bonjour, chef Brown. Bonjour, Tyler. On peut se parler en privé. C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Torres ? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux ? On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez... Le toupet. On est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade. Un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Oh, il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant ? Pardon, mademoiselle Torres. Où en étions-nous ? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier ? J'en sais rien. La salle des archives ? Ou alors le bureau d'Eddie ? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police ? Faut y aller au... Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous deux ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. On voulait... J'indiquais à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Ouais. Une urgence pipi. Style les grandes eaux. C'est l'appel de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi. Première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. Regarde partout, alors. Ouais. Ok. Sois naturel. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage. Vous ne pouviez pas faire votre déposition. J'avais une opération. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage. Je dis que vous travaillez à l'hôpital Cottonwood. C'est exact. Ça fait une sacrée route. Comme vous dites. Quels sont vos horaires de travail ? Je suis interne en chirurgie dans l'un des rares hôpitaux du sud. Ah, oui. Voyons voir. Vous savez, on vous remercie beaucoup de venir ici. Ah, tu sors ? Ouais, je vais m'en griller une. Tu devrais arrêter. Plus t'attendras, plus ce sera dur. Ouais, je sais. Et pendant que t'y es, dis à ta sœur d'arrêter aussi. Elle est juste là, hein. Bon, ok, hop, par là. En plus, elle nous attend devant la porte, donc c'est pire, c'est bel poil, ça. D'accord, je suis tombé. On fait quoi dans cet entrepôt ? De tir. Ah. On peut monter ? Mais ouais. Là, sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasse un esclandre. T'es sûr ? T'as une meilleure idée ? Je joue très mal. Mais les flics, ils sont pas censés être formés pour repérer les comportements chelous. Et en plus, je suis pas un très bon acteur. Ça va mal se passer. Pas compliqué, lance-toi. J'ai confiance en toi. Ça pourrait être à l'intérieur. Cette poubelle, c'est vraiment trop tentant pour les ours. Tu sais, c'est extrêmement mauvais pour les animaux de manger nos ordures. Tout doux. On n'a pas... Qui est assez dingue pour venir au boulot par un temps pareil ? Ça doit être Vincenzi. Il a un vélo pour chaque saison. C'est laquelle la voiture de Brown ? Pourquoi ? Il crevait les pneus ? Il disait que je lui dégonflerais bien les pneus. Les escaliers devraient être de l'autre côté du bâtiment. Merde. C'est laquelle la voiture de Brown ? Pourquoi ?
disais que je lui dégonflerais bien les pneus. Tu vois, dans le cas où on aurait besoin de s'enfuir. Oh là là, la flemme de lire, la flemme de lire. On n'a qu'à aller au stand de tir, on fait diversion dans le stand de tir. Fais quoi dans cet entrepôt ? C'est un stand de tir. Ah. Bon bah à mon avis la diversion elle se fait à l'intérieur. C'est autre chose. Éteindre la lumière, il n'y a pas d'autre truc à faire. La pile de papier. Et ben quoi ? Je pourrais la renverser. Un peu bordélique, mais pourquoi pas. C'est parti. Merde, Tyler, qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, je regardais pas devant moi. Non, ça va. Touche plus à rien. Ça y est, je suis en position. De quoi ? Prends à droite quand tu sors du commissariat et suis le côté du bâtiment. L'escalier est juste là. Parfait ! Elle n'en fait pas chier. De l'hiver. Ok, je suis à côté de la porte. Vas-y. Je sens que ça va mal se passer. Je le préchote, hein. Je le préchote. Ça va mal se passer. Merde. Où est-ce que t'es ? Juste là. Ouvre la porte. Vite, entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? T'as pris ton destin en main. T'as géré. Allez, vite, 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 vite. Examinez. Allez, on fouille un maximum. Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Allez, on comme fouille. Comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009 ? Oui, mais... ils m'ont pas prise. Michael et moi, on voulait y aller ensemble. Il y est allé, mais... moi, je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Beaver. Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Si Eddie nous trouve ici... De toute façon, on peut plus reculer. Services sociaux qui datent quand même de 2005. Ah oui, mais c'est... oh non, non, non. Fin 2005. Déposition de la famille Ronan. Ah ah. Il y a quelque chose. Pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Fireweed ? Oh. T'as trouvé quoi ? C'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'Eddie avait fait jouer ses relations pour t'y envoyer, mais... ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il voulait pas te mettre mal à l'aise. Maintenant, quoi ? Je me sens redevable envers lui. Chef du CAF, veuillez inscrire votre identifiant sur le chèque. Frais généraux, $336. Assurance santé étudiante, $721. Frais d'hébergement, 1 800 balles. Pension complète, 400 balles. Bourse de la Fondation Ridonan, $800. Veuillez régler la somme due pour le... les transactions sont proratisées jusqu'au 7 mars 2012, car les factures sont émises avant la fin du trimestre. Si vous avez des questions, veuillez contacter la Vision plus tôt. Eddie Brown, vous trouvez ces gens les dernières factures de Ridonan. Chelou, 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 chelou. Enfin, c'est à la fois gentil, hein, mais... T'es sûr que t'as vérifié tous les emails ? Oui. Des dossiers personnels, des rapports budgétaires, mais pas de dossier d'enquête. La police de Delos va compter un nouvel agent. Enfin. Rien d'intéressant.
Oh, comme c'est touchant. Alison Ronan, la fille idéale. On peut rester concentré, s'il te plaît. Ce gars a un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu, franchement? Chut. Eddie Galère a trouvé des nouvelles recrues par ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. Homme caucasien, vol à main armée. Délit mineur. En 2014, donc il n'y a pas longtemps en plus, parce que le jeu se passe en 2015. 6 mois de détention, 1 an de liberté conditionnelle. Il a fait plein de délits en fait. Wow, on a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais il y a une référence là. R68653. Bonjour chef, concernant votre demande de ce matin à propos de l'affaire Ronan, R68653, elle n'a pas été numérisée, donc vous pouvez trouver les documents originaux chargés pour référence. Les transcriptions d'appels téléphoniques ont été retirées, mais vous retrouverez les appels numérisés dans l'annexe. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Tom Armorque, Miss Delos Crossing. Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas? Eddie soutient Tom? Il a préféré rester neutre. Bonjour chef, Tessa et moi aimerions vous inviter à dîner jeudi soir. Je sais que vous ne pouvez pas dire non à son saumon rôti. Ce n'est pas moi qui l'ai pêché, mais il est frais de ce matin. Dans l'attente de vous recevoir, Thomas Vecchi. Veni vidi Vecchi. Poté Tom Vecchi. Bonjour tout le monde. Rappelez-vous que votre présence est obligatoire mercredi 11 novembre à 13h. La présence de tout le monde est indispensable, alors prévenez-moi dès maintenant si vous ne pouvez pas être présent, je trouverai une autre date. Comme je l'ai dit ce matin, nous parlerons du biais implicite. Même pas une punition, cela n'a rien à voir avec la démission de Randy Spears, nous pouvons tous apprendre de cette discussion. Vous trouverez ci joint quelques documents à lire sur lesquels nous reviendrons pendant la discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous trouverez ci joint chef Eddie, pardon, ok. Pour rappel, voici la date du prochain conseil municipal, samedi 5 novembre 2015 à 10h, salle des fêtes de la mairie de Juno. Nous avons hâte de vous y retrouver. Objet non, mais qui a pissé dans ses céréales ce matin? Hey, tout le monde, on est tous adultes, il me semble. La personne qui laisse la vaisselle sale dans l'évier a intérêt à prendre, à nettoyer après son passage. Où je me charge personnellement de carrer la dite personne dans un lave-vaisselle, elle verra comment ça marche. Sincèrement, Maria Oliver, de Lost Crossing. Un de ses emails parlait des archives. C'est là où doit se trouver notre dossier. C'est quoi le nom du dossier déjà? 68653. 68653. 68653. Le chef de la police de Delos organise un événement caritatif. Caritative. Il voulait donner un coup de main. On a qu'à mettre les Vecchi à côté de... Tu peux arrêter. C'est 8653. Allez, on y va. On fonce. Et merde. Pitié, dis-moi que t'as compris le code. Dans les archives hautement confidentielles de la police. Et comment je suis censé ouvrir la porte? J'ai passé des heures à jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Dum da di dou. Sérieusement? Vas-y, essaie. C'est sans doute pas le bon ordre. C'est quoi là? C'est quoi l'air déjà? Dum da di dou. Désolé. Dum da di doum. Dum da di. Oh, la ferme. Tu m'avais pas dit que t'avais l'oreille absolue. La ferme. Dum dam dim doum. Non. Dum. Oh putain, fais chier. Dom. Da. Dim. Les deux premiers ont l'air bons. Dom. Da. Dim. Dom. Ouais. Et en plus, les chiffres sont décolorés. Ça me fait penser à une célèbre scène du Life is Strange, hein, quand on doit essayer d'entrer dans la grange, là.
Que de références. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Eddie se plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais... seulement ceux d'avant 1990. Et donc ? Et donc notre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. J'ai oublié le numéro. Quoi ? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corvée de carton ? Parce que si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. R68 653. Trouve ce que c'est. Trouve ce que c'est. R68. Okay. Et voilà. Chronologique de l'enquête. Ouh, de la lecture. 1er mars 2005, 22h35, averti par mon coéquipier l'agent Christian Holt d'un accident au 12 Canary Road, Delos Crossing, AK 77477. Une femme blanche identifiée comme étant Marianne Ronan, née le 8 juillet, c'est ? Ouais, juillet 1964 est tombé du ponton dans le lac. Enregistrement audio numéro 36359 et 36360. Brown, 22h, Brown, attends. Oui, voilà, Brown, 22h58, Holt et moi arrivons sur les lieux. Sommes briefés sur l'incident par l'agent de patrouille Jishan, matricule 5622, Brown... 23h07, localisation, les témoins, nom du mineur censuré, Ronan et nom de mineur censuré. Ronan, né le 7 mars 94, enfant de Marianne Ronan, impossible d'obtenir une déposition car elles sont en état de choc. Les enfants ont été confiés aux soins de l'agent de patrouille, Jishan. Brown, 23h41, le médecin légiste Ted Dickens arrive sur les lieux, prend les empreintes de la victime, technicien du labo O'Tully. Matricule 5629, également présent, prend des photographies de la scène et récupère un fusil de chasse Chrysler 3121 non déclaré. Des balles ont été trouvées sur les lieux de la grange. Pardon. Alors ? Pour l'instant, je trouve rien qu'on sache déjà. Il y a des références à d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé, il doit sûrement apparaître dans l'annexe. Oui, ils en ont parlé de l'annex. 2 mars 2005, minuit 23, dépouille prise en charge par le médecin légiste, scène nettoyée, Brown. 1h04, entretien avec les noms, avec les enfants au commissariat, d'après leur déclaration, après que nom du mineur censuré, Ronan se fait couper les cheveux très courts par sa sœur, nom du mineur censuré, Ronan. Marianne Ronan a menacé, nom du mineur censuré, Ronan avec une arme. Quand Ronan a voulu s'enfuir, elle a poursuivi l'enfant jusqu'au ponton. Nom de mineur censuré, Ronan a alors poignardé Marianne Ronan, qui la menaçait toujours, puis celle-ci est tombée dans l'eau. Les témoins déclarent avoir appelé les secours peu après. Brown, 6h30, scène de crime passée au peigne fin, paire de ciseaux prétendument utilisée par nom de mineur censuré, Ronan non retrouvé. Brown. 3 avril 2005. Affaire présentée au juge B. Cruz, nom du mineur censuré Ronan, accusé d'homicide, affaire... Théa... blablabla... Ok, rien. L'ordinateur, elle est où ? C'est bon, j'y suis. On peut chercher par mots-clés. Je cherche quoi, alors ? Je sais pas. Marianne Ronan ? 1er mars 2005 ? Alors... rapport criminel. Ouvrant usine, stockage... La référence est
05R61889. 05R61889. Là. C'est à côté de l'autre. Rapport homicide, victime, Marianne Ronan, Aurélien Cazen, sexe féminin, taille 1m70, poids 62 kg, âge 41 ans, date de naissance 8 juillet 1954, numéro de permis de conduire, sans emploi, lieu des faits, 12 Canary Road, Delos Crossing, Aga. Dateur des faits, 1er mars 2005, à 22h, dateur du signalement à la police, 1er mars 2005, à 23h29. Sur le ponton du lac, la victime a menacé son enfant avec une arme à feu, l'enfant l'a poignardé avec une paire de ciseaux, à la suite de quoi la victime est tombée dans le lac. Rapport écrit par initial patronyme, numéro de matricule, fonction, Eddie Brown, 1665, inspecteur. Erreur, nom, j'ai une version sur Ronan Dresse Blanche, 93, nom de version sur 93, rapport de preuve, objet numéro 1. J'ai trouvé un résumé de toute l'histoire. Wow, c'est un vrai roman policier. Récit des faits, résumé du crime. Le 1er mars 2005, vers 22h, la victime Marie-Anne Ronan, femme blanche âgée de 41 ans, a quitté son domicile et est entrée dans son garage pour commencer à charger un fusil de chasse Reisler 3121-9mm. Peu de temps après, son enfant, nom du mineur censuré, Ronan, 11 ans, a pénétré dans le garage pour montrer à sa mère la nouvelle coupe de cheveux que sa sœur, donc Allison Ronan, lui avait faite. D'après la disposition du témoin Tyler Ronan, en voyant la coupe de cheveux de son enfant, Marianne est entrée dans une colère noire et a menacé l'enfant avec le fusil de chasse. Tyler Ronan a quitté le garage, a couru vers le lac en appelant à l'aide toujours armée. Marianne a suivi l'enfant sur le ponton au sud de la propriété. En entendant ces bruits, le témoin Allison Ronan est sorti de la maison et s'est dirigé vers le ponton où elle a vu sa mère. Où elle a vu Tyler Ronan sous la menace de Marianne se défendre en poignardant sa mère avec une paire de ciseaux. Le témoin déclare qu'à ce moment-là, Marianne Ronan a perdu connaissance et est tombée dans le lac. À 22h29, l'agent du commissariat de police de Delos Crossing, Christian Holt, numéro 55899, a reçu un appel téléphonique d'Alison Ronan qui lui a raconté l'incident. L'agent de patrouille Jishan, numéro 5622, était envoyé sur les lieux. À son arrivée, il a installé un périmètre et a commencé à décrire la scène et à s'occuper des deux mineurs, Tyler Ronan et Alison Ronan. Pour en savoir plus, voir leur déposition, notification des inspecteurs. Le 1er mars 2005, l'agent Christian Holt a averti son coéquipier, l'agent Eddie Brown, par téléphone de l'incident avant d'être envoyé sur les lieux. Enquête, Holt et Brown sont arrivés sur la scène de l'incident à 22h58. Ils ont remarqué que la scène de crime se trouvait entièrement extérieure. Canary Road est une ruée isolée qui n'abrite que quelques maisons. Les inspecteurs ont remarqué un fusil Rattler sur le ponton. Aucune cartouche n'avait été tirée. Ils ont envoyé les experts en balistique récupérer ces objets. Les inspecteurs ont été envoyés vers les témoins Tyler et Allison Ronan. Le témoin Allison Ronan a déclaré qu'elle avait entendu des cris alors qu'elle était descendue dans sa chambre à l'étage. Elle a descendu l'escalier en courant, a regardé par la fenêtre de la cuisine et a vu Tyler et leur mère Marianne sur le ponton. Marianne menaçait l'enfant avec son arme. Tyler a essayé de s'échapper, mais Marianne l'a menacé en disant qu'elle allait tirer. D'après les deux témoins, Marianne a déclaré « Je vais te tuer ». Ensuite, Tyler Ronan a frappé Marianne avec des ciseaux en essayant de s'échapper. Marianne Ronan est alors tombée à l'eau sans connaissance. Preuve numéro 1, objet reste là, 9 mm pour plus de détails, rapport des experts balistiques. C'est chaud. Il y a peut-être d'autres références disponibles sur l'ordinateur. La vache. Bon, faut que je check ça. 05R62766. 05R62. C'est ça. Oui, il est sorti celui-là. Étrange. J'ai son rapport d'autopsie. Ok. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Mort par noyade.
La blessure à l'arme blanche n'était pas mortelle. Quoi ? Bah oui. 2 mars 2005, 9h30, docteur est terminé le 2 mars 2005 par le docteur Rec. 42 ans, féminin, décès post-noyade. Une blessure à l'arme blanche, rein gauche sectionné, attaque au ciseau par sa fille, antécédent inconnu. ECQ mention plantée dans la bouche et le nez, œdème cérébral, présence d'eau dans les poumons, œdème et emphysème pulmonaire, estomac distordu 2 cm, effet du contenu, troisième blessure par arme blanche, semble. Antémortem au scanner, fuite des sinus, preuve d'eau récente. Autre condition ayant contribué, mais non liée à la cause immédiate de la mort, naturelle, suicide, homicide. Incident impossible à déterminer. Si les causes ne sont pas naturelles, comment la blessure est-elle survenue avec des ciseaux, puis la victime est tombée dans l'eau? Une opération a-t-elle été exécutée pour des conditions mentionnées ci-dessus? Non. Retrait d'organes? Oui. Technicien, point de vue commissaire de scrutin. Blessure à la branche 15 cm, 1er mars 2015. Ils se sont trompés. Ils ont mis 2015 au lieu de 2005. 21h, analyse. Elle était alcoolisée. Par contre, pourquoi ce dossier-là est ressorti? Merde. Eddie monte les escaliers. Je fais quoi? Retarde-le. Merci, Einstein. Mets-le dans son bureau. Dis-lui que tu dois lui parler dans son bureau. La référence c'est 0501 COMEBR. Ah, voilà. Allez vite, putain, faut qu'on se magne. J'ai envie de tout faire là, j'ai envie de qu'on ait un maximum de. Incroyable. Brown a dénoncé Marianne aux services sociaux. Quoi ? T'es où là ? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. D'où le fait qu'il y ait une dispute. Je devais les appeler, tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut s'en faire encore? Ah, j'ai peur d'être trop gourmand. On peut pas sortir, ok, allez. On continue, on a plein d'autres affaires. Protection de l'enfance. Je suis l'agent Eddie Brown. Bonjour, agent Brown. Ici Simone Proulx des services de protection de l'enfance. Bonjour, madame Proulx. Je vous appelle à propos de la famille Ronan. Je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain? Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. K-A-N-S-K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Proulx, dites, est-ce que c'est grave? Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Proulx. Vous aussi. Je viens juste d'entendre Brown parler avec les services sociaux. Il l'a fait. Il l'a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire? Il avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. Bon, faut que je check ça. 2014, 20, 34, 11.
2014. C'est lequel? Il y est pas. Et voilà. Rien de très utile. J'en étais sûr. Chier, ça nous fait perdre du temps là. Il y avait un truc à propos des plaintes, non? Cherche ça. Ouais, déjà fait. C'est 2005, 20, 15, 46. 2015. 2005, pardon. 20, 15, 46. Celui-là. Là. Ça me stresse, putain. J'ai envie de faire un 100%, qu'on ait un maximum de preuves et mais qu'on c'est lui... C'est quoi ça? T'es ça l'accusé de négligence. Quoi? Attends. Rapport d'incendie résumé. Commissariat de l'incident en vol. 31 janvier 2005. Heure de fin 31 janvier 2005. Approuvé par Eddie Brown. Type de lieu, magasin, type de vol. Vol à l'étalage, personne associée. Hein, ça. Incident signalé par Tessa Vecchi. Personne signalée, Marianne. Fait. 31 janvier 2005, vers 10h45, Marianne est entrée à Veni Vedi Vecchi. Propriété de Thomas et Tessa Vecchi. Madame Vecchi a déclaré avoir observé Ronan parcourir les allées pendant environ 10 minutes tout en discutant distraitement avec elle. Madame Vecchi a déclaré se trouver derrière le comptoir et ne pas avoir de contact visuel direct permanent avec Ronan. Vecchi a déclaré qu'après ces 10 minutes, Ronan lui avait demander si elle avait de l'encens à moustique bio en réserve et qui a informé Ronan qu'elle n'en avait pas. Elle déclara que cette demande lui a semblé étrange vu qu'on était en hiver. Ronan a alors quitté le magasin sans rien acheter. Vecchia a déclaré qu'environ 5 minutes plus tard, elle s'est rendue dans l'aile où Ronan se trouvait et a découvert qu'il manquait une boîte de lessive. Vecchia a déclaré qu'elle venait de remettre des boîtes en rayon et qu'elle n'avait eu d'autres clients ce matin-là. Vecchia a déclaré qu'elle avait déjà soupçonné Ronan de vol à l'étalage par le passé, notamment en compagnie. Et peut-être avec l'aide de ses deux enfants, Vecchi a déclaré qu'elle avait également des raisons de soupçonner Ronan d'être coupable de négligence envers ses enfants. Ils ne mangent pas et sont exposés à toutes sortes d'influences inappropriées. Vecchi pense qu'il est possible qu'une certaine forme de maltraitance eut lieu chez elle. Il y a des trucs pas nets. On nous cache beaucoup de choses, là. Faut que je me grouille. Merde. Pardon, Tyler, j'ai pas pu le retenir. Il se dirige vers toi. Et merde. Dehors. Eddie, on voulait pas... Je le dirai pas une deuxième fois. T'es un putain d'hypocrite. Je t'ai dit de sortir. Hé hey, lâche-moi. Tu préfères passer la nuit au poste? Je crois pas, non. Je t'ai dit de pas me toucher, putain. Tirez-vous. Vous avez de la chance de faire partie de la famille. T'as raison, la famille. Et pour le bien d'Allison, on devrait parler. Parler de quoi? On a vu notre dossier. On sait pour les services sociaux. Pourquoi? Pourquoi tu l'as trahi comme ça? Et t'es ça aussi. D'accord. Ah, c'est vrai. Il faut qu'on parle. Let's go, allez. J'ai enfin fait un bon choix. On temporise.
c'est pas utile de s'énerver. On s'énerve pas, quand c'est utile, on s'énerve. L'hiver qui a précédé la mort de votre mère a été... très rude. La ville a été bloquée par la neige pendant des mois. Les routes étaient coupées et les... ravitaillements étaient très rares. C'était dur pour tout le monde. Surtout pour Marianne. Ouais. En temps normal, elle avait la tête sous l'eau. Et cet hiver-là, elle buvait la tasse. Et même si les gens du coin l'avaient aidée... Je suis pas sûr que votre mère aurait accepté. Tu veux dire que Tessa a dénoncé notre mère parce qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts ? Tessa est venue me parler parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Je vois. J'étais dans l'obligation légale d'enregistrer la plainte de Tessa, même si j'étais pas d'accord. Donc tu l'as prise au mot et t'as appelé la protection de l'enfance. Problème de malnutrition avéré. Manque de supervision parentale. Absence d'attention psychologique adéquate. Elle avait suffisamment de preuves à charge. Quoi ? C'est des conneries ! Fallait obéir à la loi, en fait. Ok. C'est pour ça que t'es venu à la maison le jour de sa mort. Tu te sentais coupable, hein ? C'est pour ça que t'as pas suivi le protocole. Je devais la prévenir de ce qui allait se passer et lui dire que ça s'annonçait mal. Un travailleur social avait été mandaté pour venir évaluer la situation. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'après vous ? Je croyais que la règle numéro 1, c'était toujours dire la vérité. C'est vrai, mon petit élan. Et pourtant, t'as menti. Je pouvais pas supporter l'idée de vous voir souffrir pour rien. Mais vous êtes des adultes et vous avez pris votre décision. Je suis désolé. Merci, Eddie. Alors, c'est tout ? Ça doit être sympa d'avoir une fille qui passe l'éponge aussi facilement. T'arrêtes pas de dire que c'était ça la responsable, mais... maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Ouais, je pensais que j'irais doucement, mais en fait, pas du tout. Ça fait 10 ans que je me demande encore et encore ce que j'aurais pu faire de mieux. Je sais que j'ai fait une énorme erreur avec vous deux. Et vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir. Être père... ouais. C'est un boulot compliqué. J'ai fait de mon mieux. Et je suis prêt à faire des efforts avec toi aussi, Tyler. Si t'es d'accord. On y arrivera peut-être, mais il faudra du temps. Voilà, on est réaliste. Je suis pas entièrement contre. Mais ça va nous prendre du temps avant d'être... une jolie petite famille. Je comprends. C'est dur de regagner la confiance. Mais t'auras toujours une place ici, dans tous les cas. Ah, let's go ! Câlin groupé ? Non. dans tes rêves. Bon, je vais vraiment devoir vous mettre dehors maintenant. Ah, pas de repos pour les bras. Tyler, qu'est-ce qu'il y a ? N'êtes pas dans tes excuses, j'ai vu la facture pour Fireweed. Au fait, j'ai vu la facture de Fireweed. Quand tu fouillais mes affaires, c'est ça ? Ouais, je... On n'est pas obligé d'en parler. Oh, en fait, si. Je refuse que tu joues les gros durs et les taiseux. Rien t'obligeait à le faire. Mais tu l'as fait. Et...
Pour moi, Fireweed, c'était tout mon monde. Donc, merci. Ok? Ok, Tyler. C'est rien. Je crois que je te dois des excuses. Ah oui, et pourquoi? Pour effraction? Ou atteinte à la vie privée? Désolé. J'avoue, j'ai merdé. Allez, t'en fais pas. C'est une affaire classée. Mais t'avises pas de recommencer un truc comme ça. A bientôt. Bon, à bientôt alors. Tu sais où me trouver. Bon, bah, c'est pas si mal passé. Bon, ça s'est mieux passé que ce que je redoutais. On redescend par là. Ça va être plus simple, plus court. Non, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Allez, tu sais ce que je dis toujours. Haut les cœurs. Ouais. Haut les cœurs et courage. C'est ça, ma belle. Je me ferais bien une bière. Il est midi. Ce qui veut dire qu'il sera plus de midi quand j'en boirai une. Je vois pas comment je pourrais me passer d'une bière fraîche avec mon sandwich au porc. On mange toujours ensemble demain midi? Ouais, bien sûr. Je t'enverrai un message. Demain midi... On peut lui reparler? Soyez prudents tous les deux, d'accord? On va essayer de faire un pas vers... vers Eddie. Allez, Wallison. Putain, je déteste quand elle fait ça. Bon, moi je sors. Allison. Quoi? Tu te sens mal? Comment tu le sais? Parce que je me sens pareil. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tessa? Rien. Écoute, on va rien faire du tout. Ça suffit, Tyler. Parler à Tessa? Pourquoi? Tu cherches quoi, en fait? Qu'est-ce que tu crois qu'elle dira? Je croyais qu'elle nous aimait. Vraiment. Chevron, est-ce que c'est vrai? Elle est... Oh, mon Dieu. Les enfants, Tessa. Tessa, tu peux pas rester. Venez, les enfants. Tout va bien se passer, d'accord? D'accord? Vous êtes en sécurité, ça va aller, je vous le promets. Rentre chez toi, t'as rien à faire ici. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Y'a personne ou quoi? Tessa est forcément là quelque part. Je crois que j'entends quelque chose. Au moins on sait qu'il reste quelques personnes sur Terre. Mais vu qui c'est, on est peut-être déjà arrivé en enfer là. J'ai besoin d'un peu d'air. Je vais me balader dans le magasin. Toi, trouve Tessa, ok? Let's go. Ça marche. J'étais arrêté pour pisser. Et juste quand je finis, qu'est-ce que je vois? Un énorme orignal qui me regarde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fusil. Entrez. Comment ça? On a assez de signatures. Ça aurait clairement dû suffire à geler le chantier et à nous laisser le temps de réfléchir. Il faudrait organiser une réunion avec la Fondation pour la vie sauvage en Alaska. Bon. Bon, Harold, je me suis protesté. On en reparle à la réunion. Je vais pas tarder à arriver. Bonjour, Tyler. Je peux t'aider? Allez-vous, Tessa? Eh, j'espère qu'on ne te dérange pas trop, mais... Tu sais si Tessa est là aujourd'hui? Elle est partie, problème familial.
Mais si ça se trouve, je vais pouvoir vous aider, non? Ouais, peut-être. En fait, on est passé au commissariat et on a consulté le dossier de Marianne. Je vois. Tessa a signalé Marianne aux services sociaux. Tu le savais? Vaguement. Je ne m'en suis pas mêlé. Je ne pensais pas avoir mon mot à dire. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Eh ben, je ne vois pas trop comment j'aurais pu amener le sujet. Claire. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Bah, en nous répondant franchement hier quand on est venu au magasin, par exemple. C'était entre vous et Tessa. Je n'aime pas mêler des affaires des autres. Ils sont chiants tous. Est-ce qu'ils cachent tous des choses? C'est chiant. Pourquoi Tessa est allée au commissariat ce soir-là? Elle vous cherchait tous les deux. Elle voulait être sûre que vous alliez bien. C'est quand tabou. Elle a appris le drame, elle a été anéantie. C'est vachement comment tabou. Elle a appris aussi vite. Je ne sais plus qui a appelé, mais vous savez comment c'est. Rien ne se répand plus vite qu'un secret. 5 minutes après le départ de Brown, tout le monde était déjà au courant. Ok, merci Tommy. Tom. Ok. Merci. Écoutez, je suis désolé si vous avez ressenti de la réticence chez les gens du coin. C'est peu de le dire. Ah, c'est vachement tabou, putain. Tu le sais mieux que quiconque, mais la mort de ta mère a profondément marqué notre communauté. Je ne me permettrai pas de comparer ça avec ce que vous avez vécu, mais ça a été un rappel cruel des limites de la confiance. Ouais, ben si on veut dépasser les limites de la confiance, tout le monde doit affronter ce qui s'est passé. Et ça veut dire être vraiment honnête sur le sujet. Les enfants, tout le monde aspire à la paix. Mais pour certains, c'est difficile de parler du passé. Bon, si vous avez d'autres questions, revenez me voir, d'accord? Ouais. Ou non. Oui? T'as dit qu'il fallait que je te rappelle de pas être en retard. Alors... Sois pas en retard. Ah, oui, oui. Je pars dans 1 minute. Alors les jeunes, est-ce qu'il y avait autre chose dont vous vouliez me parler? T'as déjà entendu des rumeurs concernant notre mère? Genre, qui pouvait être notre père? Non, je n'écoute pas les rumeurs. Oh non, mais il ment encore. Votre mère était proche de plusieurs hommes, mais de là à savoir qui est votre père, je ne sais pas. Écoutez, je... Oh, mince. Je suis désolé. Il faut vraiment que j'y aille, là. Michael, tu finis l'inventaire de la réserve et tu fermes la boutique? Tu veux bien? Ok, comptez sur moi, patron. À plus tard. Qui va dire non à son patron? Non, pas ce soir, je suis pas très chaud. Hey, ça vous dit d'aider un ami et travailler tout l'après-midi gratuitement? Pourquoi pas? On aurait bien aimé parler à Tessa, mais elle est pas là. Elle est au cimetière. Elle est partie voir ses parents. Oh. Hey, j'ai une idée. Vous m'aidez ici jusqu'à la fermeture, et ensuite on ira là-bas ensemble. Je voudrais aller sur la tombe de mon oncle. On peut pas attendre qu'elle revienne. J'ai pas très envie d'aller au cimetière. Allison, on n'est pas obligé d'aller sur sa tombe. Bon, je vais commencer l'inventaire. Tyler, tu me rejoins après? Ça marche. Laisse-moi 1 minute. Aïe, 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 aïe. Ça t'est venu comment, cette question sur notre père? J'aimerais bien savoir. Bah oui, oui, c'est une bonne question. Je me demandais seulement qui ça pouvait être. Il pourrait même nous aider, mais c'est quelqu'un en plus. Il pourrait nous aider à comprendre un peu mieux tout ce bordel. Pourquoi? Exactement. Il a pas fait partie de nos vies. Surtout si c'est quelqu'un qui est ici, quoi, et qui côtoie encore Marianne, même après leur naissance. Ce qui est potentiellement bon, le cas. Bon, j'ai déjà fait le compte ici, mais il faudrait que tu revérifies quelques trucs. Ça a rien de compliqué. C'est bon, je gère. Ah ouais? T'es si fort que ça, hein? Ton boulot n'est pas si difficile. Je déconne. Je sais même pas par où commencer. Vas-y, explique. On va commencer par le plus facile. Tu vas au fond de la pièce et tu me dis combien de boîtes de sauce tomate molto bene il nous reste en stock. Ça marche.
Sauce au cheddar. Oh. Ta sœur adore cette merde. Tu la connais un peu trop bien. Ah, oh, dégueu. Tiens, y'a quoi là-dedans? Tiens, y'a quoi là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Ah, oh, ça me met mal à l'aise. Ce serait pas le rat musqué? Allez, on le prend. C'est la photo d'un curé avec des petits cœurs? Ouais. C'est ce prêtre sexy qui organise l'étude de la Bible avec Tessa. Et pour info, la coupable, c'est Allison. Elle a eu un faible pour lui pendant longtemps. Ouais, mais il est très... très sexy. Putain, grave. Mais oui, je me souviens carrément de lui. C'était le père Bautista. Ouais. Il a les tempes poivre et sel aujourd'hui, tu vois? Oui, oui, je vois bien. Mais lâche-moi. Tiens, y'a quoi là-dedans? Je devrais peut-être en prendre pour Allison. Mais c'est où les tomates là qu'il a demandé là? Non, c'est pas ça. Tiens, y'a quoi là-dedans? Oh putain, mais. C'est pas ça. Tiens, y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce qui te fait rire? J'étais en train de me rappeler la fois où Allison et moi, on avait ouvert un paquet de farine et qu'on s'en était mis plein la tête. On a appelé ça bataille de neige estivale. Il y en avait partout. Marianne était furieuse. Marianne. On n'en parle pas assez de ce prénom, je trouve. Stop avec les noms composés. Pourquoi je regarde ça en fait? Ça nous serait utile ça pour la maison. Non mais par contre c'est où les tomates? C'est quoi déjà qu'il a demandé? J'ai oublié putain. Tiens, y'a quoi là-dedans? Pourquoi je regarde ça en fait? Bon, c'est quoi que t'as demandé? Vas-y, redis-le moi, ça me saoule. Je dois aller où déjà? Et je suis censé compter quoi? Au fond de la pièce. Et on cherche la sauce tomate molto bene. Au fond de la pièce. Juste là. Attends, je compte ça. Il y a 14 boîtes de sauce tomate molto bene. Ok, ça me paraît bien. Je suis trop fort. C'était facile. J'aimerais que tu comptes les bouteilles d'eau de Javel. Trouve ça où? Et je les trouve où au juste? Je croyais que t'avais ça dans ton sac. Bon, je te donne un indice. Et ça range tout ce qui est lourd près de la porte. Sur les étagères du bas. Ok, je devrais pouvoir trouver. Tout ce qui est lourd, pas de la part. Je devrais peut-être en prendre pour Allison. Ça m'énerve. Payons la 6. 6? D'accord. Pas mal, Tyler. Fais gaffe, je vais te piquer ton boulot. Je te laisse. Et maintenant? Viens m'aider avec ça, s'il te plaît. Alors? J'ai besoin de ton avis sur ce chef-d'œuvre. C'est censé être moi, là? Eh ouais, attends, regarde les cheveux. C'est réussi, non? Tu as une marge de progression, hein? Y aurait quelques trucs à améliorer. Aïe. Hey, j'ai dit quelques trucs. Globalement, c'est vachement bien. Mec, j'y ai mis tout mon petit cœur. Pour recevoir quoi en retour? Un vent, Tyler. Un bon gros F.
Alors, c'est ça que tu faisais pendant que moi je faisais ton boulot? Qu'est-ce que tu veux? Je suis multitâche. Elle, multitâche? Je crois que t'as dû te tromper, là. Au total, tu dois en avoir 36. Oh, comment osez-vous? Quoi? Je veux pas que t'aies de problème, c'est tout. Ouais, t'as raison. Je suis pas dedans aujourd'hui. Bon, allez, on va au cimetière. Y'a autre chose que je dois vérifier? Ouais. Non, non. Une dernière chose et on sera libéré de cet enfer. Je t'écoute. Tu peux compter le nombre de pluches dans ce carton là-bas? Ce carton là-bas. Faut vraiment que je te supplie pour que t'en dises plus? C'est tentant, mais non. Tu vois cette affiche d'étude de la Bible clouée au mur? C'est là que tu dois regarder. Ah, t'es trop sympa. Donc... Voilà, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il doit en rester 11 dans ce carton. Je me suis planté? Michael? Ah, c'est quoi ça? Putain, il fait pardon. Peur. Mais c'était putain. Trop tentant. Règle numéro 1 dans l'art de l'inventaire. Ne jamais baisser ta garde. T'as aucune idée de ce que tu viens de faire, mec. Le premier qui touche 3 fois a gagné. Ça te va? Je t'ai eu. Merde, trop loin. Allez, c'est tout ce que tu peux faire, Ronan. Attends un peu, j'ai un plan. Ah ouais, on verra ça. Putain. Touché. Encore un coup et t'es fini. Tu vas le sentir passer. T'es trop prévisible. Alors c'est ça ton taf? Non, j'ai rarement la visite de beaux gosses par ici. Je vais dire à Allison que t'as dit ça. D'habitude, elle est dans son bureau. Et puis, ta sœur est peut-être canon, mais c'est pas mon genre. Oui, mais c'est un grand nom. Je viens de te le dire. Je t'ai eu. Hey, t'es balèze. Je t'avais dit qu'il fallait pas douter de moi. Eh ben, je ferai plus jamais cette erreur. Bon, allez. Faut vite que je termine de faire cet inventaire. Je pense que ta sœur doit déjà avoir fini. Viens. On se pose au coin des commères. Le quoi? C'est le petit nom qu'on donne au canapé où on prend nos pauses, Allison et moi. Ah, ok, cool. Je vais voir comment vous avez décoré l'endroit. Ah, au fait, tu vois cette boîte? C'est pour toi. Hein? C'est la truite que j'ai pêchée hier à Buzzard Bowl. Je l'ai grillée avec ma marinade de renommée mondiale. Oh, waouh. Merci, c'est gentil. Une marinade de renommée mondiale? Y'a quoi là-dedans? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Non. C'est toi. Ça m'étonne que Tessa t'ait laissé l'accrocher. Ouais, elle déteste. Mais du moment que je fais pas étalage de mon style de vie devant les clients, elle me dit rien. Putain, ça doit être épuisant d'essayer d'éduquer les gens. C'est ça le truc. Je le fais pas. Essayez. Mais non. T'aimes bien Duplex Duo toi aussi? Ouais, Allison m'a fait découvrir. On devait aller le voir à un concert à Juno il y a quelques mois. Et alors? T'as entendu parler du Moonrock? On a tiré deux lattes avant le concert. C'était fini.
Impossible de redescendre. C'était pas notre heure de gloire. Ouais, bah je viens de croire. J'ai fini. Tu me fais peur. Eh, tu penses vraiment que Tom a les épaules pour devenir maire de Delos Crossing ? Je sais pas. Il est sympathique et pas complètement incompétent. Mais c'est pas très... C'est le chef Brown ? Ouais. Vous êtes de la même famille ? Non, mais du même clan. Comment ça ? Quel clan ? Clan de la pieuvre, moitié du corbeau. Stylé. T'es proche de tout le monde dans le clan ? Ouais, on est tous plutôt soudés. Enfin, on vit tous éparpillés, je les connais pas. Tu sais, ça me fait vraiment bizarre de pouvoir enfin rencontrer l'autre Ronan. Le Ronan originel, tu veux dire ? Tu sais que je suis né en premier quand même. T'en es sûr ? Je crois qu'Alison m'a dit que c'était elle. Enfin, notre mère nous l'a jamais dit, mais je le sais, c'est tout. Sinon, pourquoi c'est bizarre de me rencontrer ? Parce que Alison m'a parlé de ton parcours tellement de fois. Elle m'a tout dit sur toi. Fireweed, ta transition. J'espère que ça te gêne pas. Non, t'inquiète. Elle m'a demandé avant. Ouais, je m'en doutais. Elle fait les choses bien. Elle est complètement dingue de toi. Je sais. Donc, en fait, bah... T'as sûrement été le premier au courant. Après Alison, je veux dire. Je suis content que tu m'aies fait confiance. C'est cool de pouvoir enfin te rencontrer, en vrai. T'es plutôt pas mal. Oh. Non, non. Merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis sérieux. Je suis content qu'Alison t'ait retrouvé. Tu vas avoir une bonne influence sur elle, j'en suis sûr. On va pas la laisser mourir à petit feu dans la compta. Donc je délirais pas quand je disais que tu devrais venir à Juno avec nous. Ouais, je sais. J'ai une vraie communauté là-bas. Ça peut devenir la tienne. S'intégrer, c'est pas con en soi. T'as pas idée à quel point ça change la vie d'avoir une famille que t'as choisie. Ils m'ont aidé à sortir de la déprime. Un sacré paquet de fois. Je comprends. Eh, je peux te poser une question ? Bien sûr. Vas-y. Pourquoi tu tiens tant à ce que je vienne à Juno ? Comme je te l'ai dit, j'ai envie de mieux te connaître. Tu me trouves si fascinant que ça ou quoi ? Bah... Ouais. T'es unique en ton genre, Tyler Ronan. Ouf. Elle peut faire mal, hein. Ça peut être la piquer. Ça peut être la piquer. Bon. Pour la faire bien passer, on va mettre ça sur une... sur un petit fond musical. Merci. C'est gentil, mais je crois que tu cherches quelque chose que je suis pas. Enfin, pas encore. Merde, est-ce que j'ai créé un malaise ? Non, pas du tout. T'inquiète. Je suis juste un peu à la ramasse en ce moment. Voilà. Bien sûr. Je comprends. C'est pas mieux passé, hein. T'en fais pas, je te dis. En vrai, ton compliment m'a touché, tu sais. Ah, tiens. Hé, hey, les gars, ça fait au moins une heure que j'attends à l'accueil que vous vous décidiez à revenir. C'est bon, vous êtes prêts à y aller ? Bon ben, je crois qu'on a fait assez de dégâts ici. Ouais, on y va. Bon, bah on a foutu un gros raté, hein. Un gros raté. Un gros râteau. Pourquoi il se regarde comme ça ? On y est. Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène ? Non, ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Ok, ok. Putain, le jeu est beau. Ça devrait être sur la tombe de ses parents. C'est pas très loin de l'entrée. Cherchez un grand arbre noueux. Vous pouvez pas le louper.
C'est un peu respectueux moi, quand même de venir la débusquer. Bon courage. Sincèrement. C'est un petit peu quand même dangereux de. J'ai jamais été une grande fan. Et mal poli de débusquer quelqu'un pendant qu'il se recueille. Tu sais. Je te promets qu'après ça, on va se reposer à la maison. Ça te va? Un grand arbre. Du coup, t'es déjà revenu ici? Chut, parle moins fort. Comme ça? Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde chuchote au cimetière? Je sais pas. Une histoire de neurones miroirs, peut-être? Quoi? Ce que tu fais, je le fais. Ah ouais. Bref. T'es déjà revenu ici? Depuis l'enterrement? Non. J'ai eu aucune raison de revenir. Heureusement. C'est où? Notre mère nous faisait venir ici tout le temps. C'était tellement bizarre. Maman, pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps ici? Ça vous ennuie? Non, mais c'est bizarre parce qu'on connaît pas ces gens. Enfin, sauf la maman d'Eddie. Ça n'empêche pas de venir les saluer. Parce qu'ils se sentent très seuls. Va bien? C'est ça, j'attends. Et parfois, même si vous ne les voyez pas, ils sont avec vous. Ici. Toujours là. Maman? Toujours. Elle nous aimait. Vraiment. Mais on dirait que cet amour pour nous la faisait aussi souffrir. Tu crois qu'elle avait simplement peur de nous perdre? Peut-être. Ouais. Ok, on est à l'arbre noueux, mais toujours pas de Tessa. Cherchons la tombe de ses parents, histoire d'être sûr qu'on est au bon endroit. Tu crois que Michael aurait pu se tromper? Eh ben, j'ai déjà fait l'inventaire avec lui, alors... Oui. Moi, surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de voir la tombe de Marianne. On aurait sûrement un beau... souvenir. Je conserve un décès de 2000... Il est mort quand, l'oncle de Michael? L'année dernière. Ça a été très dur pour lui. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça faisait longtemps. Je peux me joindre à toi? Je t'en prie. Mets-toi à l'aise. Alors? Est-ce que... C'est pas le moment. Pour toi? C'est toujours le moment. Faites pas attention à moi, je suis pas là. Hé, hey, je vois ta sale tronche presque tous les jours. T'es dépassée, ma petite. Tu me blesses. Profondément. Alors, je peux faire quelque chose pour vous? Elle est où, Tessa? Alors? Je crois qu'on a du mal à trouver la tombe qui nous intéresse. T'es sérieux? Il faut aller droit jusqu'au grand arbre, puis regarder à droite. Je vous jure, les chauves-souris ont une meilleure vue que vous. Dixit, celui qui porte des lunettes. Ouais, mais ce sont des lunettes grossissantes. Et infrarouges aussi, alors. Je vois tout. Ok. Bah, cool. On se voit plus tard. J'espère bien. Alors. Oui. Alors. Est-ce que... Je n'ai pas demandé comment était son oncle. Parce que flemme. Voilà, très clairement, j'en ai franchement rien à foutre. De mettre tout ça derrière nous. Au moins, Mr. Bellegueule est de bonne compagnie. C'est marrant que tu m'aies jamais dit à quoi ressemblait ton frère avant qu'il arrive en ville. Non, je pensais te faire la surprise. Ouais, d'accord, il a flashé. C'est pas par là. Attends, Michael a dit que c'était près de l'arbre amoureux. Eh, c'est pas celui-là qu'on appelait Allison, tu viens? Je bouge pas d'ici. Bon, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se perdent pas. Attends, je suis quand même pas con. À droite, c'est par là. Est-ce que c'était sa droite par rapport à tout à l'heure? C'est pas gagné.
C'est raté. Putain, mais c'est où cette merde? C'est en train de m'énerver. Tu trouves? Non, on dirait que Yazi. Ça me dit quelque chose. Transport Yazi. C'est lui qui transportait le bois vers la Syrie. C'est vrai. Et il klaxonnait toujours pour nous faire signe. Rien de mon côté. Et toi? Rien. Perdu dans le chaos de l'histoire. Ça veut dire quoi? Je suis pas sûre. Mais Michael le saura. C'est pas celle-là. Putain, mais... C'est en train de me rendre fou. Il a pas un milliard de tombes. Construire une maison tout près d'un cimetière, difficile d'imaginer pire comme idée. Mmh. Ouais, si jamais t'en croises, fais-moi signe. Tu trouves? Non, on dirait que c'est pas notre jour. Putain, mais c'est pas... C'est en train de me rendre fou. Non, ça veut dire que c'est quelque part par là. C'est quelque part par là. Vous cherchez déjà deux noms. Deleon. C'est celle-là. Ne me dis pas qu'on l'a loupée. Bonjour, monsieur l'aigle. Les enfants. C'est l'heure. Ce souvenir. On doit vraiment y aller, Eddie. Tu peux me tenir la main, si tu veux. J'ai pas besoin d'aide pour marcher. On fait vite, d'accord? Après, on ira manger un bout. Le jour de l'enterrement. Je m'en souviens à peine. C'est sans doute mieux comme ça. Je pense qu'aucun de nous n'a vraiment hâte de revivre ce qui s'est passé derrière cette grille. Alors... J'ai peut-être dit qu'on n'avait pas besoin de voir sa tombe. Mais ça semble être la chose à faire. Ouais, exactement. Allez, on y va. Est-ce que tu te souviens où elle est placée? Non. Pour ce que ça vaut, je me souviens avoir regardé l'eau pendant l'enterrement. Allison, s'il te plaît. J'irai pas! Allison, reviens! Bon, j'approche à peine. Ouais. J'espérais que ce soit plus facile que la dernière fois. C'est raté. Au moins, cette fois, personne ne me demande de partir. Et t'as pas intérêt. Après ça, on a passé un moment ensemble près du totem, non? Je me demande si on pourrait revoir ça. On peut toujours vérifier. Ah, voilà. Je les laisserai pas t'emmener. Je vais leur dire la vérité. Tu as promis, Allison. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je sais que je devrais comprendre les décisions de Brown, mais... J'aurais tellement aimé que tu viennes me voir. Je suis d'accord, mais... C'est pas moi qui fais une promesse ce jour-là. C'est toi. Regarde. Ce coin me dit quelque chose. C'est là qu'est enterrée la mère de Brown. Elles étaient proches, ça veut dire. J'avais oublié comme Marianne était bouleversée quand la mère d'Eddie est morte. On n'avait que 4 ans, mais... Ouais. Elle perdait l'une de ses seules amies. Elle disait toujours qu'elle aurait jamais pu trouver sa paix. Taille,
Deux secondes, j'ai besoin d'un moment. Je vais faire un petit tour, d'accord? Je reviens vite. C'est laquelle? Ça marche. Non, c'est pas elle. Attends, quoi? Elle est où? C'est pas gagné. Celle-là? Non, c'est pas celle-là. Attends, elle est où? J'ai l'impression d'être con. Je l'ai toujours pas trouvé. Désolé. Mes souvenirs de l'enterrement se limitent à cet oiseau qui sautillait sur une souche d'arbre. C'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là, je crois. Oui. C'est pas gagné. Eh ben non. Allison. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Pourquoi tu nous as rien dit? On était pourtant tes gobelins. C'était pas la meilleure idée. On demandait de l'aide. C'est dur. T'es ça? Les enfants, je ne pensais pas à vous que... Qu'est-ce que vous faites là? Je peux savoir ce que tu fais là? Tu te sens coupable, peut-être? Nous sachons. Quand nous mourrons, notre tombe est la seule chose de nous qui reste aux autres. Laisser la sienne à l'abandon serait cruel. Je ne suis pas quelqu'un de cruel. Suffisamment pour dénoncer notre mère aux services sociaux. Je voulais vous protéger. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où allaient les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Écoutez, je suis désolée de ne pas vous avoir raconté toute l'histoire au magasin, mais je ne voulais pas que... Arrête avec tes excuses! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi tu nous as tourné le dos? Votre maman ne s'en sortait jamais, et au fil des ans, elle a fini par épuiser plusieurs bonnes âmes. À la fin, plus personne ne voulait l'embaucher. Chez elle, ce stress a fini par laisser des traces. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussée. Elle nous a tous repoussés. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule, sans plus aucune issue. On était ensemble, jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que nous. Une petite fille gâtée qui jouait à la princesse dans la forêt.
Si elle s'était installée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que... Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi ? Je... Oh mon Dieu. Il s'est passé quoi entre eux ? Je croyais que... Non, oubliez ce que j'ai dit. Non, mais c'était sûr. C'est ça. Je m'en doutais. Tout ce que je sais, c'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais j'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais... Les enfants, je suis désolée. C'est horrible. C'est horrible, mais... Elle aurait pu mieux faire. Allez. Marianne voulait pas que tu l'aides, on a compris. Mais il y avait sûrement une meilleure façon de réagir. Surtout si elle traversait une période compliquée. Oui, vous avez raison. C'est sûr, j'aurais pu faire autrement. Faire mieux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas le tien, Tyler. Mais s'il y a une place pour moi dans vos vies, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Tu m'acceptes vraiment telle que je suis? J'y ai beaucoup réfléchi depuis ton retour. Je pense avoir donné du sens à ma vie en la plaçant entre les mains de Dieu. Mais je crois aussi que nous ne comprenons pas toujours son message. J'ai prié pour y voir clair. Et à te voir ici aujourd'hui, un jeune homme si fort et si réfléchi, je crois que je tiens ma réponse. Ça me touche beaucoup. Merci. Tessa, je sais que ces deux derniers jours ont été... compliqués. Moi, je suis prête à repartir à zéro si t'es ok. Mais ça dépend pas que de moi. Tyler ? Nous, on va aller dans le full... Cool. Et si on leur donne pas une chance d'évoluer, alors est-ce que nous, on a une chance de s'en sortir ? Merci. À tous les deux, les enfants. Je n'ai jamais connu toute l'histoire de votre mère. Mais il ne fait pas de doute qu'elle a été douloureuse. Elle disait toujours que vous étiez le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Je vais tout faire pour lui pardonner. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en ville demain, passez donc au café. C'est moi qui régale. Et il y aura du gâteau à la noix de coco ? Eh bien, c'est fort probable, oui. Je vous dis à demain dans ce cas. On sera là. Allez. Ok. C'était quelque chose, hein ? Tu l'as dit. J'avais plus trop d'espoir par rapport à elle. Mais apparemment, les gens peuvent changer. C'est vrai. Je me sens tellement conne maintenant. Non, mais moi, j'ai envie de pardonner à tout le monde, et puis ça sert à rien de se mettre des gens en dos. L'ambiance risque d'être bien pesante quand je vais retourner au boulot. Je pense que je suis dans la majorité. Vous arrivez à pas parler d'aujourd'hui. C'est ça. Bien pesant, quoi. On verra. Pas mal la vue, hein? Ouais. Je comprends maintenant pourquoi les cimetières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ces moments-là. C'était cool, Fireweed, mais j'avais personne de vraiment proche, tu vois? J'ai que toi. Pas de quoi. On est frères et sœurs, non? Ouais, mais on s'est surtout concentré sur le frère récemment. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Allison. Pour que tu finisses enfermé à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends. Parce que tu t'en veux encore pour ça? Arrête. C'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... J'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être ranger à Denali, Michael va devenir un grand cuisinier, et moi, je fais quoi? Rien.
Ah, faut qu'elle arrête. Bien. T'as étudié pour obtenir un diplôme de compta. Et t'es une grande artiste. T'es douée, Allison. Arrête de te dévaloriser. Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison, tu vas t'installer à Juno, et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non? Oui. T'as raison. Bon. J'ignore où atterrira Tyler le forestier, mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps, ok? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Perfect. Bon, ben, on connaît toute l'histoire maintenant. Hein? Marianne en avait marre de Delos et inversement. On reconnaît pas toute l'histoire. Non. Pourquoi est-ce qu'elle elle a pété un câble? Elle était trop fière, mais... Elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps. Et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Pas même Tessa. Ni Eddie. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... Elle... Ouais. Mais jusqu'à tuer ses gosses, quand même, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Non ? Complètement. Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle, elle devait pas le comprendre. Et ça restera sans doute toujours comme ça. Dès que je me pose dans le canapé, je m'endors direct. T'as intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à faire avant d'aller au lit. Je commence à avoir mal aux yeux, moi. On est obligé. Hé, hey, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Merde. Allison! Je vais aller chercher l'extincteur. Oh putain. Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas, je m'en occupe. Qui c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu... un homme. Il m'a envoyé la porte dans la tête. Un homme? À quoi il ressemblait? Je suis pas sûr. Je l'ai pas bien vu et... il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grange? Je sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Hé, hey, viens voir ça! Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait? Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Hmm. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Hé, hey, viens voir ça! Attends, c'est... un poulailler? Bah... C'est Eddie qui t'a appris comment éteindre un feu? Fallait vraiment qu'il casse tout. Il a vraiment tout mis en vrac. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Eh, hey, mais tiens donc. Au moins, t'as été épargné. Ah bah voilà, ce qu'il nous faut. Ça. Bingo! Je crois qu'on sait maintenant comment il a fait le trou.
Moi, je crois que c'était à cause des fusibles. Recule. Ça va aller. Elle est pas chaude la boîte un peu quand même. Bon, je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trois chiffres. T'as une idée ? Marianne n'a jamais été douée avec les chiffres. Je pense qu'on peut juste casser le cadenas. Il doit forcément y avoir quelque chose pour nous aider à l'ouvrir. Et si possible, sans avoir besoin de la casser. Merde. Tu trouves une piste ? Donne-moi une minute. On en a écrit tellement des trucs. Attends. Regarde. C'est le même symbole. La gardienne des secrets. Ok, voyons si on trouve des chiffres. J'ai pas envie de lire. Hein. Attends, le numéro combien cette histoire ? Comment je peux avoir tout le résumé du livre ? Ouais. 47. Je sais rien, nous allons garder les gobelins, garder la chalette. Si je partage le temps de la voix. Que proposez-vous de demander à la voix des gardiens, les gardiens de chez la tête, et même les gobelins sur. On a un 47. C'est pas ça. Je pense qu'on peut juste casser le cadenas. Il doit forcément y avoir quelque chose pour nous aider à... c'est le numéro combien, attends. 1, 2... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À l'ouvrir. Et si possible, sans avoir besoin de la casser. Oui, bah si, on va le péter. Hein. Tout est par terre.
En vrai, non, j'ai envie de résoudre l'enquête. Au moins, il nous a laissé l'épave. Ah, ça m'énerve, enfin. Pas. Il n'y a pas du tout d'indice, ça se trouve c'est tout con, hein, mais sincèrement il est 4h ouais, du matin. Ça peut casser un cadenas. Et clairement, je n'ai pas envie. Perdons pas de temps. Elle ne peut pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Chère Marianne, il faut que je te revoie. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je ne veux pas que tu croies que je cours après toutes les nouvelles venues. À Delos Crossing, j'ai toujours respecté mon vœu de fidélité, mais les choses ont changé quand je t'ai rencontré. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km/h sur l'autoroute sans phare et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai conscience que c'est mal et qu'on a tous les deux beaucoup de choses à perdre, mais j'ai besoin de te revoir. J'espère que c'est pareil pour toi, symbole en forme de cœur. Je t'ai acheté un petit quelque chose pour la prochaine fois. J'ai hâte de voir comment tu le portes. Putain, c'est dur. Marianne, je suis désolé que tu te retrouves dans cette situation. Je sais que tu penses que tu seras une... Ce type essayait de pousser Marianne à se faire avorter. Vous pouvez arrêter de parler et fermez vos gueules. Je veux lire le texte. Marianne, je suis désolé que tu te retrouves dans cette situation. Je sais que tu penses que tu seras une mère formidable. Et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour, mais pour le moment, nous devons nous assurer de ne pas gâcher 3 vies. Ça fait un moment que je ne suis pas heureux dans mon couple, mais ma femme ne mérite pas ça. À vrai dire, je m'inquiète pour toi. Les gens d'ici aiment les ragots, et je ne veux pas que tu aies à subir ça. Je sais que tu as des problèmes d'argent, mais je ferai tout mon possible pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi juste combien il te faut. On a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de notre géniteur. Et 10 ans plus tard, il y a un type qui débarque, qui fout en l'air la grange et qui essaie de détruire la boîte. C'est ça, c'est ce que je pense. Ouais. Ce mec a eu une liaison avec Marianne et il a voulu faire disparaître toutes les preuves. Il a sans doute appris qu'on vidait la maison. Il a dû avoir peur qu'on tombe dessus. Tu sais... Alors c'est pas ça, J'ai cette impression bizarre, comme si je l'avais déjà vu. Souvenir. Alison! Pourquoi on voit ça? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien oublié de cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais il y a quelque chose de différent. Faut que je voie la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. C'est bien ça le problème. J'en suis pas certain, non. D'accord. Allons-y. On dirait des bottes de travail. Des bottes de pêche, peut-être. C'est ici que j'ai glissé. Oh. Il est allé droit dessus. Sans s'arrêter ou se retourner. La piste s'arrête ici. On dirait qu'il a sauté dans la rigole. Hey, tu vois des traces de pas de l'autre côté? Ouais. Il a dû s'enfuir par là. Il est loin maintenant. Alors non, on avait un souvenir qui était en train de se... Il a pas hésité. Il savait très bien où il allait. Chasseur fou. Attends.
Il y avait quelqu'un cette nuit-là? Dans la forêt? Non. C'était juste... J'ai vu... Putain, mais qui c'est que j'ai vu en fait? Le chasseur fou! Quoi? Non. C'est... C'était le chasseur fou. Quoi? Mais de quoi tu parles? Cette nuit-là, je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait. Un connard qui, donc, est resté planté là, à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type? Peut-être. Enfin, c'était forcément lui, non? Il portait la même tenue de pêcheur. Ouais, à moins que tous ceux qui nous cherchent soient tous habillés pareil. Eh, attends. Il est passé avant ça, non? On est d'accord? Quelques jours avant la mort de Marianne. Peut-être. Attends, tu sens ça? Ouh là 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 là. Ouh là là, ça s'accélère d'un coup là. Tyler, pas là. Notre mère s'est disputée avec quelqu'un ici, à propos de nous. On doit savoir si c'était la même personne. Et si c'était pas ce souvenir-là? Et si... J'ai pas envie de revivre ça. Faut tenter le coup, Allison. C'est vraiment obligé? Putain, il y a quand même quelqu'un qui a mis le feu à la grange! Ouais, et ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité, justement. Je retourne pas sur ce ponton. Juste une dernière fois. S'il te plaît. C'est ce que tu dis, à chaque fois. Mais dès qu'on pense en avoir vu le bout, on découvre autre chose. C'est sûrement notre seule chance de découvrir qui est notre père, Allison. On peut aussi continuer nos vies sans le savoir, comme on l'a toujours fait. Allez, il faut qu'on sache la vérité. Pour elle. Et si j'ai pas envie de la connaître, la vérité? Tu t'es déjà posé la question? Non. Tu fouilles, tu insistes et... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Quoi? Mais... Comment tu peux me dire ça? J'ai pas dit ça. Enfin, si, je l'ai dit. Tout à l'heure, à Eddie. Mais je te promets que je l'ai pas dit à toi. Alors on peut même plus faire confiance à notre voix? Je sais pas. Allison. Je vais le faire. Allons-y. Oui, oui, oui. Attention. Oula. Oh, Al, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, faut pas que maman nous voie hors du lit. Oh merde. Je te l'avais dit, je savais que ça arriverait. On y était presque pourtant. C'est quand on a surpris Marianne en train de se disputer avec ce type. Essaie de te concentrer sur lui, d'accord? Surtout, pense à rien d'autre. Ok. Je vais essayer. Non, mais c'est une galère hein, par contre, en vrai. Ah voilà. Allez, faut se concentrer là. Vous t'assurez que je fermerai bien ma gueule, hein? Je ne te dois rien du tout. Je t'ai trouvé un peu agité ces derniers temps. Un peu agité? J'essaie juste de survivre. Si tu tiens tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises, t'as qu'à nous aider. Prête-nous de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Je peux pas, Tyler. Mais, Allison, on était tellement prêts. Je
suis désolée. Mais j'en peux plus. Alors c'est ça? Tu laisses tomber, comme ça. Tu peux pas faire ça. On le fait pour elle. Marianne est morte, Tyler. Et quoi qu'on fasse, ça changera rien. Pars pas, je t'en prie. Tu peux pas continuer à fuir, Ali. Ça fera qu'empirer les choses. Pas faux, hein. Mais c'est peut-être un peu trop pour une journée, là, quand même. Mais ça repart, là, j'aime bien. J'étais en train de me dire, oh putain, quoi, vraiment, attends, c'est fini, là, déjà? Oh, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, il faut pas que maman nous voit hors du lit. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais maintenant, elles ont besoin de toi. Alors là, tu rêves. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette grange pour te griller. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, d'après toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si ces enfants ont un père, tu crois vraiment qu'un juge voudra te confier leur garde? Non! Tu n'as aucun droit sur mes enfants! Fous le camp de chez moi, maintenant! Si tu remets les pieds ici, je vais te tuer! Allison! Mais non. Mais non. Attends, quoi? Je comprends plus rien. Je suis complètement paumé, là. Le « je vais te tuer », c'est celui qu'elle nous disait à nous. Attends. Ouh. Alors là, pendant le chapitre, j'allais dire que le chapitre est un peu mou. Et c'est vrai que le début était un peu mou. Enfin, pas le début, mais ouais, début, milieu, quoi. Mais alors là, je retire complètement, là. En fait, ça part en apothéose, là. Je m'en doutais bien, quand même, que pour le dernier chapitre, il allait se passer quand même quelque chose d'assez... un climax, avant le dernier chapitre. Mais là, quand même, je vois pas du tout où ça va en venir. Mais le « je vais te tuer », il me fait beaucoup penser à celui qu'elle avait dit à Tyler... Après qu'il se soit coupé les cheveux, le je vais te tuer. Donc je comprends pas tellement. Je comprends pas tellement où ça veut en venir. Pour être tout à fait honnête. Et je vais m'allumer une lumière. Sinon voilà, j'en peux plus là. Voilà qui est mieux. Voilà qui est beaucoup mieux maintenant. Mais oui, non, là, j'ai franchement hâte de voir où vous voulez en venir. Et du coup, demain, on finit. On fait le dernier chapitre. Le dernier chapitre de ce jeu Tell Me Why, qu'on finit du coup demain. C'est dommage, j'aurais beaucoup aimé qu'il soit un peu plus long. Qu'il dure un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas grave, hein, vaut mieux qu'il soit court et bon que long et chiant. Mais ouais, très déchou. Au niveau de la durée du jeu qui me paraît un peu court, quoi. Demain soir c'est fini, c'est plié. C'est un peu dommage. Okay.
C'est là où je voulais en revenir. Tyler a l'impression qu'Alison ne tenait pas compte de ses sentiments quand elle a choisi de quand elle a choisi son souvenir à elle dans la maison. 57% des joueurs ont choisi le souvenir de Tyler. Je suis dans l'infériorité. Je fais partie des 43% des joueurs qui ont choisi le souvenir de Alison. Donc je suis un insoumis au niveau de ce choix. Je suis dans la majorité. Tyler a eu l'impression qu'Alison l'avait compris quand elle a refusé de faire visiter la maison. 36% des joueurs ont accepté le rendez-vous. 64% ont refusé le rendez-vous. Donc je suis dans la majorité. Alison a ressenti l'espoir de former une famille lorsque Tyler a pardonné à Eddie. 82% des joueurs ont pardonné à Eddie. 18% des joueurs n'ont pas pardonné à Eddie. C'est intéressant, quand même. Une petite minorité qui a choisi... Eddie a été ému par le pardon de Tyler. 82% des joueurs ont pardonné à Eddie. 18%, ça on sait déjà. Michael s'est senti mal à l'aise quand Tyler a repoussé ses avances. Je suis dans l'infériorité. 21% des joueurs ont repoussé Michael. 79% des joueurs ont accepté le compliment de Michael. Lequel, j'ai oublié. Non, mais surtout qu'en fait, j'ai pas envie de développer une intrigue amoureuse. Je sais pas, j'ai envie que les deux jumeaux restent bien connectés entre eux, qu'il n'y ait pas j'avais peur que Michael soit un peu un parasite et tout. Donc j'ai décidé que non. Voilà, j'ai décidé que non. Tessa fait qui? Tessa a été soulagée de garder sa place dans la vie des jumeaux. 82% des joueurs ont pardonné à Tessa, 18% des joueurs n'ont pas pardonné à Tessa. Donc c'est les mêmes 18%, j'ai l'impression. C'est marrant. Ok, petit avant-goût de ce qu'on aura demain soir. Il y a quelque chose d'autre. Regarde ça. T'en penses quoi? On tente le coup? Je crois que les gobelins malins ont une nouvelle trappe à explorer. On y va. Très bien. Eh bien, c'est ici que mon fameux stream nocturne s'arrête. Voilà, alors, tac, on n'aura plus que, du coup, le dernier chapitre, comme je l'ai dit, qu'on commence demain.